Vous êtes là également pour un magnifique album. Ah, tu l'as trouvé bien ? Ah, j'ai trouvé très bien. J'ai trouvé très bien. Ça s'appelle La Saga de Miss France. Miss France. Il y a toutes les Miss. Ouais. Et il y a vous en 1957. Oui. Magnifique. Ouais. Oh, j'étais Miss Élégance à l'époque. Ah, ça va avec ton doigt où elle est ? Elle est là. Oh, yes. C'est Miss Élégance, c'est vous ? Oui. Mais à gauche. Hein. Ouais. C'est pour ça le chapeau. À gauche. Du côté Ava Gardner. Hein. Ava Gardner un peu. Non, oui. Je voudrais bien vous auriez plus à Frank Sinatra, vous. Ouais. Non, mais vraiment. Ah. Et t'aurais mais pécho, même à Nancy. Hein. Même laquelle, de toutes les Miss, non, laquelle était Miss pas sympa ? Oh, je peux pas dire ça, c'est difficile. Ah, c'est difficile dans 50 con, ans. S'il y en a une que vous aimiez pas, je disais des interviews, l'autre qui a posé, celle qui a posé à poil. Oh, même pas. Si, c'était... vous étiez triste. Oui, j'étais triste. Qui elle a dit des... Alors, même moi, j'étais pas content parce que j'aime bien Geneviève. Ah, ouais. Et elle a dit des trucs qui étaient... Elle a craché dans la soupe, l'autre. Ouais. Ah, Sophie Talman. Voilà, c'est elle. Bon, elle s'est mise pas sympa. Bah, alors, laquelle... elle a rétrogradé sur la chaîne Equidia. Bah, oui. Oh, bah alors là, d'ailleurs, ça nous fera les jambes. Mais, ce qui est drôle, ce qui est drôle, c'est pour ça que... Attends. Attends. C'est drôle, Geneviève. Parce qu'elle arrive, elle arrive sur la chaîne Equidia, et qu'est-ce qu'elle va voir courir ? La pouliche Miss France. Ah, c'est drôle. Il y a une pouliche Miss France. Je crois qu'elle en a pleuré. Hein, et elle commence à courir, elle a gagné une course, elle était à Longchamp samedi, tu devrais miser sur elle, Thierry. Mais elle courait, elle. La Miss, non, mais la pouliche. Alors, Geneviève, laquelle ? Et tout le monde criait, Miss France, Miss France, Miss France, à poil, à poil. Cette Talman vous en a fait voir de toutes les couleurs. Vous voulez qu'on voit des Hugos ? Non. Ça vous voulez ? Non, non. Lui pète les jambes. Vous aussi, vous auriez des logos chez vous. Non, non, je n'ai pas. On lui casse les jambes, Geneviève. Je n'ai pas l'esprit bellique. Gardez toujours votre rancœur en vous. Non, elle vous a blessé. Regardez la caméra. Dites-lui. Sophie. On pète les jambes. On pète les jambes. Pourquoi tu fais ça, Geneviève, comme ça ? Ça va, oui. Connasse. Voilà. Mais putain. Ramzi, pas des Hugo. Pas des Hugo. Pas des Hugo. Bah, des rebeux, alors. Laquelle était Miss Je crache dans la soupe ? Alors là ? Bah Sophie, oui. Bah, Sophie encore ? Bah oui, c'est et laquelle était Miss Crade ? Celle qui se lavait pas, qui sentait pas c'était bon. C'était, paraît-il, Elodie Gossoin. Ah, bah, c'est on appelle la mouche à la ferme. Alors, Geneviève, écoutez-moi, concentrez-vous. Oui, concentrez-vous, Geneviève. Qu'est-ce qui vous gêne le plus ? Maréva Galanterre, qui se fout à poil. Linda Hardy qui fait de la télé, Elodie Gossuin qui traîne une vache, ou Sophie Talman qui couche avec un jockey. Faut déjà qu'elle baisse la tête pour le voir. Ah ouais. Donc c'est ça qui vous choque le plus. Non, non, il ne me choque pas, bien sûr que non. Bah Elodie maintenant. Ah ouais. Non, Elodie, ah maintenant elle déraille, oui. C'est passé de Talman à Elodie, hein. C'est pas le même genre, c'est pas le même genre. Les mousses duo. C'est pas le même genre, c'est pas la même chose. Il a pas été Miss. Non, il a jamais été. Geneviève alors. Miss PACA. Si, si, Miss Région PACA, je crois, oui. Eh, mais c'est collé. Dites-moi, Geneviève, qui va vous succéder à la tête du comité Miss France ? J'en sais rien. Vous savez qu'on parle d'Élodie Gossuin. Non, non, c'est fini, ça, c'est du passé. Ah, c'est du passé, ah bon, ça me rassure. Claire Chazal, vous croyez ? Écoutez, j'en sais... pas. Elle est légion d'honneur en même temps. Oui, ça lui suffit, ça lui suffit. Ça lui suffit, bien. Alors, et pourquoi tu l'as pas, toi ? Parce que j'en veux pas. Elle en veut pas. Elle, oui, elle en refuse. Mais il faut qu'on la demande je pour veux, quoi. Je veux la maçon des députés, des sénateurs. Ceci étant, vous la mériteriez, vous, Geneviève. Le mérite, ça me suffit. Le mérite agricole, le poireau. Le poireau, vous le nom. Geneviève, alors, sérieusement, Geneviève, j'ai une amie qui veut faire le concours des Miss France. Est-ce qu'on peut être Miss France et avoir un casier judiciaire ? Non. Ah, ça marche non, pas. Non, c'est dans le règlement. C'est de vieux jours. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut être Miss France si on a fait du porno avant ? Non. Ah, ça marche pas, non ? Non. C'est de vieux tu vas pas y arriver. Non, non. Est-ce qu'on peut être Miss France et être travesti ? Non. C'est de vieux en cours. Encore ? Décidément, il parle d'elle. Est-ce qu'on peut être Miss France et être pour la guerre dans le monde ? Oh non. Ah non, donc elle a aucune chance, on ma copine. Me bagarrer. Ouais. Ouais. C'est qui ta copine ? Bah, c'est une fille qui voulait être Miss France, mais là c'est. Oh, elle connaît un peu. Alors on va faire un jeu Miss France 86. Valérie Pascal. Bravo. Oh la vache. Hein ? Téléachat. Miss France 2000. Sonia Roland. Oh, voilà. Et là, un petit peu plus difficile quand même. Miss France 1981. 81 Isabelle Bénard. Oh là là, bravo. Et là, alors, le plus dur maintenant. Attention, petit roulement de tambour. Ah, je fais le roulement de tambour. Ouais, ça, c'est le tambour. Ah, je fais le tambour, je fais le roulement de tambour. À bosser, à bosser. Ah, j'ai bossé le roulement de tambour. Je bosse tous les jours le roulement de tambour. 1988. Boccolini. C'est Brest Buget. Non.
88. 88, vous avez droit à une autre réponse, Geneviève. Il serait bugé, pourtant. Massimo Gorgia. Non. 88. 88. De Bienjoncourt. Non. 89, c'était Peggy Zotowski. 87, oui, ça, c'était Nathalie Marquet. 87, Marquet. 88. Bah, il n'y en a pas eu à cause de la guerre. Je cache le nom. Oui. Bah si, Brice Buget, je viens de te le dire. Miss Brice Buget. Mais comment alors Sylvie Bertin, il y a oui, c'était Miss Brice Buget, oui. Ah, ah, c'est d'ailleurs, comme dans, d'ailleurs, c'est comme dans Nous nous sommes tant aimés, c'est-à-dire que oui, vous vous dites Brice Buget oui, parce qu'elle était Miss Brice Buget et moi je dis Sylvie Bertin. Oui, c'est Sylvie Bertin. D'accord. D'ailleurs, vous étiez d'accord, vous le saviez même pas. C'est le Parisien avait mis enfin une poulette de Brice. Bravo, bravo, très beau titre. C'est Brice Buget. Voilà, le bouquin s'appelle La saga Miss France. C'est extraordinaire, c'est un livre magnifique. C'est un livre qu'on devrait. Attention, Geneviève, t'es prête? Non. Donner non, dans les écoles. Vas-y. Attention, Geneviève. Regarde Miss France 47. Ah regarde Miss France 47, une très magnifique belle 47. Femme. Elle est de Gaulle. On voyait pas les poils. J'ai acheté deux ans avec. Elle est toujours là, d'ailleurs. Elle est toujours là. Et en plus, elle habite Fontenay-aux-Roses. Alors là, ça va, ça a tous les boules, ça. C'est vrai, ça. Elles ont jamais trop des nichons, vos Miss France. Oh, si. Non. Alors dites-moi celle qui avait les plus gros nichons. Je vais te montrer, j'en ai vu là. Attention. Si, il y en a une, 82, attendez, Sabrina Belval. Elle était nerveuse. Il faut qu'on puisse avancer un petit peu. 2 mètres de nichons, elle avait. Il faut qu'on puisse avancer un petit peu dans cette émission. Geneviève. Oui. Geneviève. Ça, c'est des gros nichons pour vous. J'espère que tu vas le garder, Thierry. Quoi? Le livre. Mais je l'aime beaucoup, ce livre, Geneviève. Je vais l'offrir à mes enfants pour qu'ils voient ce qu'ils peuvent faire dans la vie. Et voilà. Surtout Gaston. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.